Vous êtes constipé spirituellement. Vous êtes bête. Voilà. Je suis désolé, un athée est bête. Ça peut être osé. Mais tu vois, il n'y a que des croyants qui vont savoir de quoi je parle. Les athées, vous, vous ne réfléchissez pas. Votre tête, elle est vide. Constipation spirituelle. Votre cerveau est constipé. Donc, constipé parce que tout ce qui est conscience, ça ne sort pas de votre tête. Donc voilà, n'enviez pas les gens. Et ce que vous avez vu à Dubaï, il n'y a rien de choquant, c'est juste dégueulasse. Les gens font des sacrifices pour avoir de l'argent. Comme je vous ai dit, il y en a qui tuent, il y en a qui boivent du sang, il y en a qui mangent du caca. Ceux de Dubaï font partie de ceux qui mangent du caca. Tu manges pas au McDo? Quoi? Tu refuses le Big Mac alors que tu manges du caca? Alors que tout le monde sait que le Big Mac et le caca, c'est pas comparable. Mais toi, tu préfères manger le caca que le Big Mac. T'as rappelé ou pas? Oh! Tu vois? Bien maquillé, elle a une nerf, tout ça, quête cheval. Bien formé, tout ça. Qui va se dire qu'elle mange du caca? Tu vois? Elle peut même pas aller au restaurant et dire non, j'aime pas les crevettes. Tu manges du caca, tu peux tout manger. T'as rappelé ou pas? Oh, moi, je mange pas. En plus, c'est les mêmes qui disent moi, je mange pas au McDo, moi. Non, je peux pas. N'enviez pas les gens. Vous savez pas ce qui se cache derrière la vie des gens. Il y en a qui font des trucs de ouf. Il y en a, ils mangent du. Comme vous avez vu, ils mangent du caca boudin. Qui savait que l'autre a mangé du caca boudin? Des gros seins, des grosses fesses et des rouges à lèvres, des lèvres et puis ils ont dit un choquaise. N'enviez pas les gens, s'il vous plaît. Pardon, pardon. N'enviez pas les gens. Il y en a qui dorment très mal. Les gens ont des belles voitures, ont beaucoup d'argent. Vous savez pas ce qu'ils ont fait. Vous savez pas ce qu'ils ont fait. Il y en a qui dorment mal. Je mange du caca. Je peux pas bien dormir. Il y en a qui pratiquent l'inceste pour avoir un peu d'argent, bien sûr, wesh. Comme je vous ai dit, des sacrifices. Il y en a qui sacrifient leur mère, ils tuent leur mère. Il y en a qui tuent leur fille. Il y a plein de choses que vous savez pas hein, pour l'argent. Les serres, ah, t'as raté. Pour avoir de l'oseille. Et devant les caméras, ça fait les beaux gosses, les belles gosses. Ok, derrière, maman, viens, soussou, derrière. Oh, ma fille, viens, tchatcha, ah, derrière. T'as raté. Ils couchent avec des membres de leur famille, c'est pire. Il y en a, ils couchent avec leur mère. Il y en a, ils violent leur sœur. Il y a des gens, ils couchent avec leur fille. Ils font des préliminaires avec leur fille. Ah, t'as raté ou pas? Des bisous sur la bouche à leur daronne. Ah, avec la langue. Ah, t'as raté? Frère, les gens, ils sont loin. Les gens, ils sont loin. Vous n'avez pas idée, vous n'êtes même pas prêt. Vous n'avez pas capté. Vous n'avez pas capté, vous n'avez rien capté. Eh, les gens, ils sont loin. Il y en a, ils parlent avec des djinns, ils parlent avec des genoux. Il y en a, ils parlent avec le diable en lui-même. Je vous dis, il y en a, ils couchent avec des cadavres. Ce qui se passe derrière les caméras, c'est ça. Les sacrifices, le monde des ténèbres, c'est ça. Le diable, Satan, Dracula, c'est ça. C'est le monde. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les gens, parce que vous ne savez pas ce que les gens font derrière. C'est ça, en fait, le message que je vais passer. N'enviez pas. Les sacrifices, les gens se sacrifient. Il y en a qui tuent, il y en a qui boivent du sang, il y en a qui couchent avec des morts, avec des cadavres. Il y en a qui mangent du caca, on l'a bien vu. Pipi, vomi, des règles. T'as capté ou pas? Ils mangent ça, mais ça fait partie du contrat. Donc ne prenez pas exemple, mais ne soyez pas choqués. Constipation spirituelle, donc les bonnes idées n'arrivent pas à sortir. C'est constipé dans la tête, constipé du cerveau. Trop bête, t'es trop con, t'as raison ou pas? Mais moi je suis éveillé. Et ça, c'est des choses banales. Dans le monde des ténèbres, les sacrifices, on appelle. Sachez que ça, c'est quelque chose de courant. Je ne parle pas en connaissance de cause. Moi je mange pas du caca, moi j'aime les cornflakes. T'as raison ou pas? J'aime le cornflakes et les lasagnes. T'as capté? Je mange pas du caca. Mais je suis, j'ai la conscience éveillée. Je suis pas constipé spirituellement comme certains de vous. De manger du caca, t'as ou pas? Ou du pipi, ou les règles, ah, t'as ou pas? T'es pas obligé de faire ça. Arrêtez d'envier les gens parce qu'ils ont une belle voiture ou des plus belles baskets que vous. Si vous aimez les chaussures, allez travailler, tu vas foutre le cœur, t'as ou pas? Si tu veux une belle voiture, va travailler, après tu vas au concessionnaire, t'as ou pas? T'es pas obligé, moi je mange du caca pour avoir cette merde, ces belles voitures. Ah ça je montre pas. Ah ah, parce que c'est la honte, Sony. T'as raté ou pas? C'est la honte. T'as raté? C'est sale, c'est dégueulasse, berk. Au final on l'a payé, elle achète des voitures, elle s'est plaisir parce que on montre que ce qu'on veut montrer. J'ai acheté une belle voiture, je montre ma voiture. J'ai acheté une Ferrari, Bigatti, ma Ferrari, je montre ma voiture. J'ai une grosse laisse de billets, je la montre sur les réseaux. Mais t'as raté ou pas? Crève! Allez, crève! T'as raté ou pas? Parce qu'ils vont envier des gens qui eux-mêmes dorment pas bien la nuit. Tu penses que ceux qui mangent du caca boudin, là, ils dorment bien la nuit? Est-ce que vous connaissez l'odeur que ça, le caca? T'as capté? Tu peux pas bien dormir. Elle n'est pas fière. C'est pour ça, moi, je dis, hein, les gens qui passent leur temps à envier les autres, on aurait dû les avorter. Ils ne méritent pas de respirer. Tuez-les! Étranglez-les! On devrait les assassiner, les écraser, les écrabouiller, des gribouillages. T'as capté ou pas? Ils méritent de crever. Et là, tu les vois, ils ont des belles voitures, mais en fait, pédophile, pédophile. T'as vu ou pas? C'est bien que vous ayez vu. C'est bien.
Comme ça, la prochaine fois que vous verrez des gens avec des belles voitures, avec beaucoup d'argent, vous vous demanderez ce qu'ils ont fait pour avoir ça, au lieu de baver comme des petits Rottweiler, de baver, de aboyer. La prochaine fois, tu te poseras des questions. Mais lui, il a une belle voiture, mais est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il si? Est-ce que ça? Mais c'est ça, c'est rien ça, c'est le monde des ténèbres. Bienvenue dans le monde des ténèbres. Satan, Lucifer, le diable. C'est ça. Le monde des ténèbres, c'est ça. T'as pas capté. Yonef fait le truc de fou, frère. T'as pas capté, tu captes jamais rien de toute façon. Tu captes rien, toi. T'as rien capté. Yonef fait le truc de fou, frère, mais vous êtes même pas prêts, frère. Il y en a, ils couchent avec des enfants, ils violent des nourrissons et après ils les coupent la tête. Coupe la tête. T'as capté ou pas? Wesh. Tout ça pour de l'eau. Un peu t'envoyer à faire. T'as capté ou pas? Mais y'a pas que ça. Ah, poto, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. On appelle ça des sacrifices. Sacrifices. T'as capté ou pas? Vous êtes même pas prêts, vous avez rien vu encore. Il y en a qui font pire que ça. Ça, c'est bas de gamme. Manger du caca boudin, c'est le truc le plus facile que le. C'est tout. Soyez éveillés. Ouvrez vos yeux, vos cerveaux. Certes, c'est dégueulasse, mais c'est pas choquant. Y a rien de choquant. C'est vous, vous êtes en retard. Vous venez de capter en 2022 que les gens font les sacrifices pour avoir de l'argent. Honte à vous, pas aux influenceuses. Elles, c'est normal, elles vendent leur âme. Elles aiment manger du caca, elles savent qu'elles sont payées. Mais ça fait partie du contrat. Pourquoi ça vous choque l'histoire des meufs à Dubaï là qui vont manger du caca boudin là pour de l'argent là?